Allô ? Oui ? Oui, bonjour monsieur, c'est bien la boulangerie ? C'est pas monsieur, c'est madame. Ah, c'est pas la boulangerie ? Si, c'est la boulangerie. Et hop, je raccroche. Petite arnaque, écoutez, je viens de lui raccrocher au nez et je rappelle. Top mauvaise foi. Oui ? Oui, ah bah vous m'avez raccroché ? Ah non, ça a été coupé. Bon, bah admettons. Ah bah y'a pas d'admettons, c'est que ça a été coupé. Oui, bon, enfin c'est vous qui le dites. Eh bah ça a coupé, je vous dis, ça a coupé, c'est pas moi qui a coupé, hein ? Parce que quand même j'étais en train de vous parler, donc c'est bien qu'il y a. Eh bah oui, mais ça a coupé. Bah l'autre jour, ça, quand on fait la même chose, ça a coupé aussi. C'est pas de ma faute, moi. Alors qu'est-ce que vous voulez, monsieur ? Ah bah ça va être ma faute, tiens. Bah attendez, vous dites que c'est moi qui a coupé, j'ai pas coupé, ça va vous écouter. Ça a coupé, je vous dis le téléphone tout seul, c'est pas moi qui a coupé. Il reconnaît que c'est lui qui a coupé, ouais, ça c'est quand même. Bon, bah, alors qu'est-ce que vous voulez, monsieur ? Parce que moi j'ai un travail aussi, hein. Oh là là, j'ai l'impression que vous avez. Ah, et là, c'est vraiment elle qui a raccroché. Donc, évidemment, je rappelle. Là, j'ai coupé. Ah, pardon ? Hein ? Moi, c'est moi qui a coupé, là, par contre. Alors, qu'est-ce que vous voulez, vous, monsieur ? Qu'est-ce que vous voulez ? Bah, déjà que vous vous arrêtez de me couper. J'ai coupé qu'une seule fois, la dernière fois, parce que vous commencez à me gaver. Oh, bah, c'est la troisième fois, là, vous rigolez ? Non, troisième fois. Arrêtez de me prendre pour une imbécile. Alors, premièrement, c'est l'appel masqué. Alors, vous êtes qui, vous, premièrement ? Alors, monsieur Martin. Bon, monsieur Martin, qu'est-ce qu'il veut, monsieur Martin ? Oh, bah, elle a encore coupé. Non, j'ai pas coupé. Non, je vous écoute. Hein. Ah, vous revoilà. Non, pas du tout, non. Eh ben alors, attendez, arrêtez de me dire que c'est moi qui coupe, c'est vous qui coupez. Ah bah non, c'est vous qui avez coupé. Bon, vous alors, qu'est-ce que vous voulez? Bon, alors. Oh, mais non, mais attendez, ça fait 10 minutes que j'avais lu au téléphone, là. Et c'est pas moi qui a coupé. Ah bah c'est le répondeur maintenant, bah j'ai pas de chance. Non, c'est le répondeur, mais vous êtes complètement cinglé, vous. Allô? Bon. Ah, vous ouvrez là. Alors, vous avez voulu quoi, là? Et voilà, et le répondeur encore. Mais c'est le répondeur, mais y a même pas de répondeur, mais vous êtes complètement cinglé, vous. Oh bah c'est pas moi qui coupe les autres. Hein. C'est pas moi, mon petit coup, bah, mais vous allez arrêter, oui ou non? Bah, c'est vous la coupiste quand même dans l'histoire. En plus, vous êtes au courant. Bah, vous venez de me dire. Mais vous êtes pas bien. Vous êtes pas bien, vous. Ah bah, vous avez coupé. Non, j'ai pas coupé. Il y a quelqu'un qui a laissé la clé, là. Vous allez arrêter votre cirque parce que vous allez voir. Excusez-moi, mais là, il y a une coupette. Il y a une petite coupette, là. Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui a laissé la clé. Bon, alors, donc, vous reconnaissez que votre produit est défectueux, parce que vous disiez qu'il y avait un problème. Je sais rien, c'est même pas qui j'ai affaire, là. C'est un vrai guignol. C'est tout ce que vous êtes. Oh, c'est un vrai guignol. Bon, alors, je veux pas mon mari. C'est pas mon mari. Allô. Oui. Bonjour, madame. Non, le patron, là. Ah oui, je l'entends derrière vous, le patron. Non, non, le patron, c'est moi, monsieur. Ce que vous disiez que vous avez eu avant, c'est la patronne, ah, c'est bah ma alors, femme. Alors, passez-moi la patronne dans ce non, cas. Non, 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 non. Mais vous avez pas, vous comprenez pas ce que je vous dis ou quoi? Alors, déjà, je me fais arnaquer sur la marchandise, après, je me fais couper. Mais c'est qui? Mais vous êtes qui, vous, monsieur? Monsieur Martin. C'est bon. Monsieur Martin d'où? De Martinville. Alors, vous êtes monsieur Martin? Voilà. De Martinville. Voilà. Martinville, ça se trouve où? Juste après Beaumartin. Beaumartin, ouais, Beaumartin. Voilà, ouais, d'ailleurs, je suis avec mon beau-frère, monsieur Martin, qui habite à côté. Vous êtes le beau-frère de qui? Parce que vous avez un beau-frère ici. Ah, bah vous êtes au courant en plus. Mais c'est vous qui venez de le dire. J'ai jamais dit ça. Mais c'est vous qui m'avez dit que vous avez votre beau-frère. Non, mais donc vous voyez bien qui je suis. Mais non, je vois pas qui c'est qui votre beau-frère? Non, bah si vous connaissez mon beau-frère, c'est que vous me connaissez. Mais je connais pas, c'est vous qui venez de me dire que vous avez un beau-frère. Alors moi, je vous demande qui c'est votre beau-frère. Bah, monsieur Martin. Mais moi, je m'en fous que vous êtes monsieur Martin. Et vous voulez quoi? Moi, je suis passé parce que j'ai vu que vous vendiez des œufs. Je vends quoi? Des œufs. Des œufs? Mais. Ah, des œufs! Oh putain, la vache. Ouais, alors, des œufs. Vous avez pris des œufs ici? Des œufs, hein? Oui, des œufs, ouais. Des œufs? Ouais, des œufs. Non, des œufs. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'ils avaient, les œufs? Ah, bah, c'est pas des vrais. Pourquoi? C'était quoi? Du chocolat? C'était quoi? Ah, du chocolat, voilà, c'est ça. Mais, automatiquement, il y a du chocolat. Ah, bah, non, moi, je voulais des vrais œufs. Non, mais attendez, monsieur. Moi, vous m'avez bousillé quand même une poêle quand j'ai essayé de faire. Oh, mais arrêtez n'importe quoi! Bousiller une poêle avec du chocolat. Je vais l'appeler la gendarmerie, on va rigoler deux minutes. Alors, je vais leur dire que vous me vendez des faux œufs. Oui, oui, on vend des faux œufs, monsieur. Si vous. Parce qu'on lui a vendu des œufs au chocolat et c'était des œufs normales. À soi-disant qu'on lui a bousillé une poêle avec des œufs au chocolat. Mais vous êtes peur ou quoi? Mais vous êtes bourré ou quoi? Bah, vous reconnaissez, écoutez. Des œufs au chocolat? Mais non, je reconnais pas, mais je me demande qu'est-ce que tu cherches. Ah, bah je cherche un remboursage. À quoi? Déjà, tu parles bien, mec, hein. Le remboursage, bah, tu parles bien la France. Où c'est que t'as vu ça, toi, le mot remboursage, je te dis qu'autre. Ah, bah oui, alors remboursage. Ah, bah remboursage, ça existe. J'ai le dictionnaire là. Oh, ouais, bah on regarde, remboursage. Hein. Alors, remboursage, action de remboursager. Bah attends, tu me demandes des œufs pour Pâques. Si on t'a vendu des œufs au chocolat, t'as dû voir que c'était des œufs au chocolat. Il y a arnaquage quand même, ça, on est d'accord. Arnaquage, mais n'importe quoi. J'en ai pour 2000 balles de dégâts. Gendarmerie nationale, bonjour. Comment ça, gendarmerie? Je vais à la gendarmerie. Ah, c'est la gendarmerie. Vous allez arrêter votre cirque ou quoi, là? Excusez-moi, parce que comment j'ai pu passer sur la gendarmerie? Vous êtes pas bien, vous, hein? Monsieur Martin de Martinville, vous êtes vous? Oui, ah bah... dis donc, non, mais...